train de suivre ma voie. Donc, j'ai décidé de venir en Espagne pour que là, au moins, vu que au Mali, donc ça faisait 2 ans que le championnat malien ne se jouait plus. Donc, suite à des problèmes de corruption et que nos dirigeants ne s'attendaient plus, donc qui a mis le championnat en retard. Donc, vu que les choses se passait pas bien donc dans le monde du football chez nous, donc moi-même j'ai décidé de prendre cette voie. Je suis le fils de Amara Simpara, donc un ancien joueur du Mali. Donc dans les années 71, il a été nommé comme meilleur joueur du Mali. Moi j'ai mis toute ma vie dans le football, parce que je suis né dans le football depuis tout petit. Donc quand papa donc il jouait, quand il était dans sa carrière, donc on était toujours ensemble, on était toujours dans le milieu du football. Donc moi sincèrement j'aurais aimé suivre la voie de mon père. J'ai des contacts au niveau de l'équipe nationale du Mali, parce que j'ai fait une présélection, comme je vous l'avais dit. Une fois que je parviens quand même à avoir un club en Espagne et puis m'intégrer, je sais que forcément que l'équipe nationale du Mali va m'appeler. Comme actuellement je suis en Espagne, donc j'ai fait beaucoup de chemin pour arriver là où je suis actuellement. Donc je crois que je vais aller jusqu'au bout.